cet épisode, vous découvrirez à la sortie du chantier aux marins, le nouvel équipage d'Into the Wild et la suite des aventures aux Grenadines et à l'archipel de Los Roques au Venezuela. On se casse! On se casse de là! On met un dernier coup de peinture sur les endroits qui étaient inaccessibles au chantier, sous la quille et sous les cales. Et la deuxième couche. Adieu le marin. Adieu marin. Bon les gus, content d'être parti. Oui. Oh, quoi. Enfin en mer, trop contente. Après une petite journée de navigation, on arrive à Bécoué, et oui, ça se prononce Bécoué, pour faire les formalités d'entrée au pays. Ça va mon pote, elle est bonne? Les filles sont allées placer l'orin. L'orin, c'est une petite bouée qui matérialise l'emplacement de notre ancre. Comme ça, les autres voiliers voient l'orin et ne se mettent pas directement au-dessus de notre ancre. Ça sent déjà toutes les... Ah merde. Et mais dégage, je les lance plus loin. Je veux pas de tes méduses à l'alcool. En plus, ça coule, c'est nickel. Comme la chasse sous-marine est interdite, on se venge sur les noix de coco. On n'est-il pas bien là, regardez ça. Aujourd'hui, c'est la journée paddle bar. Et tes cheveux ils ont changé complètement, ils sont tout plats.
Non mais t'es malade. Allez, come on. Allez, vas-y. C'est quoi que t'as dans les mains? C'est un pisse de bois. Ça sert à quoi cet objet? Je comprends pas moi. Ça sert à pisser debout comme un mec. This is the first time you Allez, Sophie. Tu fais semblant, vas-y. Mais là tu m'as coupé là. Allez, allez, Sophie. Réaction. Arrête, je suis toute rouge là, on dirait une écrevisse. Le premier test pour le pisse debout fait maison. C'est dur la vie de marin, nom de Dieu. Moi je filme ça de derrière. Mais non. Si. Recule, il y a le soleil. Oh. Mais Sophie, mais vas-y. Pars là, laisse-moi pisser tranquille. D'accord. Mais moi je pars d'ici quoi. C'est pas vrai. Donne-moi la caméra. À notre arrivée au Tobago Cays, un taxi est venu monter sur notre bateau pendant qu'on mouillait et nous a gentiment arraché un chandelier. Le Tobago Cays, il y a tellement de courant qu'on se met à deux sur les paddles pour rejoindre le bord. Beaucoup trop dangereux. On est arrivé bien en avance sur les filles qui sont derrière le kata. Hey, on est là, on n'est pas là-bas. Ça avance plus. Les deux Pocahontas. Bon, chose sérieuse. Oh, on est beaucoup plus bon. Non, on est passé loin, on leur a acheté de bière aussi. Ah, pas le faire. Tu peux. Putain, on est arrivé. Check ça, sister. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ça qui... Ça filme. Et on n'en fait pas de caméra. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Ils vont chercher le poisson. Relax. Yeah. Bon voilà, un chandelier pété, on nous a offert deux poissons du riz. Et c'est super bon. Il y a 10 chandeliers sur le bateau. Et là, on a le petit tabac. Encore un endroit bien dégueulasse. Tobago Cays. Yeah. On est au mouillage juste là. Et je suis tout seul pour aller faire voler le drone.
vous avez vu les images de Petit Tabac. Mais en vrai, cette île, elle vous rappelle rien? Non, vraiment, cherchez bien. Ça vous rafraîchit la mémoire? Nous venons d'arriver à Union, une de nos dernières étapes aux Grenadines. Et là-bas, il y a un bar. Ils ont mis un bar sur un petit bout d'île à la con. À Union, on fait un petit peu de ménage. On fait aussi le plein de courses le plus cher qu'on ait jamais fait. On envoie une carte postale aux terriens pour leur expliquer à quel point la vie en mer est meilleure que la vie sur terre. Voilà, et on en profite pour péter jours. Un câble en enfilant le déguisement de carnaval au milieu de tous les voisins du mouillage. Il est malade. Oh putain. Oh putain. Ah, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va, Tutu? Ça va, impeccable, tranquille. Bon, faut pas être mieux. Nous sommes à notre dernière étape aux Grenadines, sur l'île de Morpion. C'est ça, Morpion. Plus loin là-bas, il y a Punaise. Non, pas là. Punaise, c'est là. Voilà. Et nous nous apprêtons à partir pour le Venezuela. Départ de Morpion. Yes, I. Yeah. C'est reparti pour un tour. Faut les refermer du coup les bonnes. Donc on est suivi par un banc de baleines, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de poissons. Et on vient d'attraper un marlin, mais qui s'est décroché, on l'a vu sauter hors de la flotte. Ouais, c'est un peu le branle-bas de combat. Il y a une chasse là-bas. C'est pas des déferlantes. Wouah ! Nom de Dieu ! Allez, une touche ! Putain ! Et la touche, ouais, je l'ai eu. Ça a mordu tellement bien que le câble en acier a cassé. Des espadons partout. Des espadons qui sont... Ah ouais. Deux jours de navigation à la cool, on arrive à Grande Roquet. Et on est bien content de faire un petit peu de prêt à l'abri de l'île pour se faire plaisir un petit peu. On a changé de l'argent. Le cours du bolivar, la monnaie ici, c'est 1 euro pour 3000 bolivars. Donc ça représente 40 euros. Voilà. 900 billets pour faire 40 euros. Et puis les autres là, bah c'est une trentaine. Même quoi, ouais, c'est une trentaine. Et voilà tout ce qu'on a pêché avec Andrés et Padre. Le pêcheur local nous a donné tous ses poissons.
spontanément. Et là, il nous reste deux petits poissons à faire qu'on va découper avec Manon. Perfecto. Les copains sont allés suivre une leçon de kitesurf avec le fils du pêcheur. Au Venezuela, on entend souvent parler de piraterie. Oui, il y a de la piraterie au Venezuela, mais pas à Los Roques, qui est une île épargnée. Les seuls pirates que vous rencontrerez ne portent pas de jambes de bois, et encore moins de bandeaux sur les yeux. Non, ils sont en uniforme et se font appeler douaniers. Ils feront une inspection du bateau. Et si la visite démontre un défaut du bateau ou de l'équipement, ils vous proposeront un arrangement sous la table pour faire passer la chose. Si vous refusez, ils sont susceptibles de vous faire poireauter très très longtemps, de menacer de vous emmener en prison à Caracas, ou de ne jamais vous délivrer le permis de rester ici. Donc si vous voulez passer la douane tranquillement là-bas, sans avoir à sortir un bakchich à tout le monde, présentez-vous avec un bateau en parfait état de fonctionnement, comme c'est le cas pour nous. Voilà, la chaise, la super belle chaise. Allez, c'est parti. On quitte Sarqui avec nos copains voiliers du Venezuela. Le trapèze façon Caraïbe. Manon qui fait du snorkeling. Et là, il y a Moustique qui m'assure. Salut Moustique! Installation du deuxième truc sympa. Donc, le saut de la mort. C'est parti! Dans 3, 2, 1! Malgré le calme qui règne au mouillage, il arrive parfois la chose suivante. Un bateau dérape lorsque son mouillage ne tient plus, ou que pour une raison ou pour une autre, la chaîne casse. Mine de rien, entre le début et la fin de cet épisode, cela représente 2 mois d'image. 2 mois de vie à bord, avec un groupe de personnes qui ne s'étaient rencontrées qu'un mois à l'avance, en Martinique. Notre groupe est bon et veut continuer pour aller loin.